Et qui coulait, et puis finalement ça a été. Alors, est-ce que je me vois? Je me Ah, vois, chez moi c'est tu es bon. là! Yes! Et ben C'est voilà, parfait. écoute. Eh bien, je te quitte. Hein. Amuse-toi Ne me bien. quitte pas. Salut, bon appétit. Salut! Ouh là là. Je commence à foutre la main. Pourquoi ça met pas play? Ah oui, parce que... Hein? Au secours. Voilà. Ça vous allait bien? Vous avez virevolté avec Spider-Man. Et moi, c'est 16h du matin, là, c'est dur, hein. Je vous jure, je me suis réveillé il y a 1 heure. Là, je suis décalé, hein. Je commence à streamer à 7h en général. Enfin, du soir, bien sûr. À 19h. Donc, on a 2 heures ensemble. On va continuer ce que j'ai commencé hier. C'est-à-dire, désolé si je dis pas bonjour à tout le monde, mais un bonjour général, hein. Décalé, inversé, limite. J'essaye de voir la lumière du jour quand même. Ouais, voilà. Je vais continuer ce qu'on a commencé hier, c'est-à-dire, on a commencé à sculpter en 3D un Macron Pennywise. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est Pennywise, Macron, je pense que vous savez à peu près. Et Pennywise, c'est le clown dans It. Ça en français. Bon, il n'y a plus personne qui dit ça maintenant. Et on avait commencé, il en était à là, à peu près. Voilà. Il en était à là. Et pour le coup, oui, voilà. Alors à la base, j'avais décidé de faire. Enfin, à la base, je voulais faire du soldat inconnu. Mais on a changé. On a changé. Parce que j'avais envie de finir ça en stream. Voilà. La vision d'horreur. Non, mais il tourne pas mal parce qu'en plus, j'ai pas l'habitude de vraiment faire des portraits ou des trucs comme ça. Et en général, je fais plutôt des trucs perso. Et au final, il commence à ressembler pas mal. Donc je suis assez content de l'avancée du truc. Je remets l'interface. Il manque l'overlay. Dans la seconde, hein, il y a toujours quelqu'un pour faire la remarque. Oui, parce que j'ai pas l'overlay sur toutes mes scènes d'OBS, vu que toutes les scènes ne sont pas dédiées au recondu stream. Il est là, ne vous inquiétez pas. Bah vas-y, on va donc reprendre vite, hein, parce que mine de rien, 2 heures. 2 heures, c'est pas fou long, hein, pour faire ce genre de taf. On va finir la tête. On va lui mettre un petit haut, genre une collerette ou je sais pas quoi, un truc de clown à la con. Pour que ça rappelle. Alors, ou alors. Ouais, non, collerette, je vais faire. Plus que Costa. Et normalement, j'ai même une scène, vous allez voir. Boum! Directement pour ZBrush, où on voit ma main, ici, voilà. Comme ça, vous pourrez voir ce que je suis en train de faire avec ma main. Et surtout, ça évite la question de est-ce que t'es à la souris, est-ce que t'es avec la tablette qu'on me pose 63 fois par émission quand je fais de ça. Voilà, il est là. Et voilà. Il est là. Bon, de profil, il ressemble moins. On dirait. Il a un petit côté Stéphane Bern, non? Un petit. Mais ce qui compte, c'est de face. Enfin, déjà, on l'arrangera un peu de profil, mais ce qui compte, c'est de face, vu que l'image sera de face, voyez-vous. T'as la souris, la tablette? Bah, pour l'instant. Mais je les connais, les petits malins des chats de Twitch, là. Dès que tu dis, il faut pas dire ça, ils le disent avec un kappa. Évidemment. Où c'est que j'ai mis. La tablette. Qu'est-ce qu'on est drôle? Ah bah, attends. Des barres de rire. Julius César, ouais, un petit peu. Est-ce qu'il y a un pattern? Est-ce qu'il y a un pattern dans l'humanité? Tac. Voilà, comme ça. Fais style, j'ai pas mes bagues, ça va. Je suis sous quel OS? Est-ce que ça peut se voir à l'écran? Ah non, c'est vrai que sur ce logiciel-là, ça fait pas très Windows. Bah Windows 10, hein, comme 99% de l'humanité, hormis ceux qui veulent encore jouer les rebelles. Alors, ah oui, c'est vrai que j'ai des refs, j'ai des références. Ne bougez pas.
Il est où? Il est... J'ai fait un dossier. Macron. Macron, cabron. Voilà, il est là. Ouh là là, qu'il est joli. Qu'il est un joli. Donne-moi ça. Ah là là. Donc le but, hein, c'est de refaire genre cette image-là avec la tête de Macron. Et pour les ballons, on va voir. Alors, je sais pas si on va faire exactement celle-là avec les ballons. On va mettre des ballons sur les côtés et tout, mais on va lui faire cette air-là, quoi. Ce qui, en vrai, est rapide, en vrai, hein. Un truc comme ça. On va lui mettre le maquillage, tu vois. Et après, on trouvera un petit gag pour les ballons. J'avais pensé, peut-être, à faire des ballots de fric, tu vois. Des ballots d'euros. À voir. Après, ça fait réfléchir. Comme ça. C'est bien de faire des images qui font réfléchir, tu vois. Pour ouvrir les yeux au peuple. Merde. Ça, faut que je mette sur le côté. Boum. Alors, où qu'on en était, des sacs à billets, ou si vous avez des idées, hein, n'hésitez pas. Bon, je sais qu'en général, sur les chats Twitch, il n'y a pas beaucoup de bonnes idées, hein, clairement. J'ai l'habitude. Et bien évidemment, les dons sont toujours possibles. 122 900. Normalement, il y a des alertes. Alors, est-ce que les alertes marchaient juste avant? Dites-moi. Une fibre ligurienne. Ouais, c'est vrai que ZBrush, il a sa propre interface et tout. Donc voilà, quoi. Je ne suis plus en... Voilà. Coin, coin. Ouf, putain, on voit que c'est le matin. J'ai du mal. J'ai du mal, j'ai du mal. Les ballons BlackRock. On va voir. Ah oui, non, mais moi, c'est le matin, moi. 16h du matin, je vous l'ai dit tout à l'heure. Ah oui, d'ailleurs, on en était à faire les cheveux. Ah, et j'avais presque fini. Salut, Mixam. Et merci, Sacha, pour le don de 1 euro. Est-ce que les alertes marchent? Tout à fait, merci beaucoup pour le test. Et les 1 euro, hein, du coup. Pour le coup, ça va avec. On avait pensé à lui laisser la petite tonsure, mais de toute façon, on verra pas l'arrière du crâne. Mais j'aime bien faire les choses. Ah! Je suis en symétrie. J'allais dire, j'aime bien faire les choses à un minimum correctement. Parce que sinon, tu fais jamais l'arrière, hein, si ça... On avait vraiment fait les cheveux à l'arrache, vraiment, tout à la fin, hier. Et ça donnait directement la ressemblance, hein. Avant que je fasse les cheveux, les gens étaient pas très convaincus. Et une fois que j'ai fait les cheveux, La magie, la sorcellerie est apparue. Qu'est-ce qu'on peut parler de magie quand on se retrouve avec ce résultat? Le théorème de la boule chevelue. Théorème de la boule chevelue, ça me dit rien comme ça. Quoi donc est-ce? Ah oui, ses cheveux ressemblent un peu à des pattes. C'est une technique pour faire des cheveux rapides et... Alors j'ai fait le front haut, pour plusieurs raisons. Déjà parce que j'ai pas trop calculé. Et en plus, ça permettra du coup d'exagérer un peu le truc. Et de lui faire un grand front comme Pennywise, ça fera un petit rappel, vous voyez. Puisque c'est quand même... Le but c'est pas de faire un Macron parfait. C'est de faire un Macron Pennywise, voyez-vous.
Et le... c'est le Front National. C'est pas loin. Et du coup, ça permet de... Ça permet de faire un rappel sur le grand front de Pennywise, puisque ce sont... voilà, c'est sa principale truc. Ils sont pas symétriques. Non, parce que... Enfin, en vrai, il a une coupe de cheveux un peu symétrique. Il a une coupe de cheveux aux œufs, hein, quand même. Il a une coupe de cheveux aux œufs. On voit qu'il passe pas beaucoup de temps chez le coiffeur, mais que ça doit coûter quand même 10 000 euros. Hein, je... je me fais pas de soucis sur ça. Des casques de CRS. C'est pas de la pipe. Ça vient de quelle région, cette expression? De la Macronie centrale. Hein. Il l'emploie tout le temps. Ah ouais, c'est pas de la pipe. Putain de merde. J'écoute tellement pas, le bonhomme. Faut que je monte la définition pour faire ça. Ouh, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. 7,90€ de Artie Boomchaka. Merci, merci Artie Boomchaka. Pour les 7,99€. Qui est sûrement une conversion. Ou alors. Ah ouais, non, c'est peut-être exprès. Les Oreos F, ça faisait le taf de face. Nous allons mettre peut-être un petit coup de Z-Rimesh. Est-ce que j'ai des gros détails? Non, on s'en fout. Les cheveux. Ouais, les cheveux un petit peu quand même. J'aime bien les comptes-ronds, mais je sais pas compter. Bah écoute. Il n'y a aucune obligation à faire des comptes-ronds. Est-ce que ça fait peur parce que ça ressemble à Macron parce que c'est tout gris? Je sais pas, est-ce que le gris fait peur? Ah, je perds trop. Ouais. On monte un petit peu quand même. Ou alors on fait dans le passé, ça sert à rien. Petit moment d'optimisation, c'est pas très intéressant. Regardez, il se passe rien. Mais... C'est de la pipe. Ah, c'est du pipeau, genre. D'accord. C'est de la pipe. C'est chelou, quand même. Gris fantôme. Je vois ce que tu veux dire, mais il va pas rester comme ça. Nous allons lui faire un joli maquillage. The clown. Coin, coin. Coin, coin. Avec coin coin coin
Qu'est-ce qu'on essaie pour l'intérieur de la bouche? Nous allons lui faire genre une petite langue vite fait. Pour l'intérieur. Histoire de... Coin. Coin. Commencez pas avec vos... c'est pas au millimètre comme sur l'image. C'est une caricature, j'ai pas le temps de chipoter et j'en suis pas à faire des rides, les amis. Parce que s'il faut trouver des trucs qui vont pas, j'en trouve 625 dans la seconde. Hein, ça, c'est pas le problème. Truc dans le genre. Pour mes oreilles. Bah écoute le wannabe. Content que ça plaise à tes oreilles. Faire le taf. Un petit peu plus derrière peut-être. L'image est pas aussi relaxante, mais c'est ça, c'est pour aller avec. Rassurez-vous, j'ai failli mettre de la musique de clown. Hein. Enfin, tu sais, une musique un peu inquiétante, tu vois. Un peu de la musique de la Danny Elfman, tu vois. La faux fourchue. Bah, c'est un détail qui serait bizarre à voir en fait, parce qu'on comprendrait pas pourquoi il y a un truc bizarre là. Et même si on comprend que c'est la langue qui fourchue, on comprendrait pas forcément exactement pourquoi, tu vois. Je pense qu'il faut se limiter au gag, enfin, du fait que ce soit un clown, tu vois. Si on commence à le démonifier, ça va être compliqué. Donc tu me parlais de ça là, oui, non, je sais que ça c'est pas dans le sens où il faut. Parce que de toute façon, il n'a pas un gros bourrelet ici, dans tous les cas. Mais figurez-vous qu'on n'a pas terminé.
smoothing, c'est la vie. Ouais, les sourcils, ça va augmenter. Oui. Je m'en fais pas pour la ressemblance, parce que déjà, de base, on le reconnaît. Ça, ça va. Je m'en faisais au début, je t'avoue, puisque justement, je suis pas du tout caricaturiste ou quoi. Mais au final, ça va. I'm pleased. C'est comme ça que je fais les cicatrices, mais là, il a tellement des traits marqués sur le front. Parce que Z-Ball, oui, mais c'est... Ça s'utilise pas de la même manière du tout. La bonne réponse à ceci aurait été Sculptrice, sur le même site que ZBrush, fait par Pixilogic, qui est une espèce de ZBrush Lite, qui te permet de pouvoir t'entraîner à sculpter. Parce que même si dans ZBrush, il y a un petit module qui permet de sculpter, mais je crois que c'est quand même assez limité. Sculptrice, c'est une version... Light et gratuite de logiciels de sculpting. Si vous voulez vous y essayer, c'est sur le site de Pixilogic. Sculptrice avec un S, pas CE à la fin. S'ils le font toujours, mais je pense qu'ils le font toujours. Voilà. Au moins pour s'essayer, voir si on y arrive, tu vois. Ce qui est souvent le truc à essayer au début. Avant de prévoir tout un setup. Parce que des fois, c'est plus compliqué que ce que ça en a l'air. Ou alors des fois, on est doué. Ça arrive aussi, que les gens aient un bon feeling. Et tu peux pas trop savoir à l'avance. Moi, il y a des gens que je pensais pas qu'ils auraient un bon feeling avec... avec le logiciel, et puis ça s'est bien passé, puis d'autres, je me suis dit que ça allait être pas mal et tout. Et au final, c'était pas... Donc faut essayer, c'est le seul moyen de savoir si on n'est pas mauvais. Après Blender, c'est toujours bien à connaître, surtout pour faire les rendus et tout ça. Blender, il est très cool, si vous voulez vous mettre à la 3D, ça c'est autre chose. Pas que tenter du sculpting. Si vous voulez vous mettre à la 3D, Blender, c'est la meilleure solution pour démarrer. C'est une grosse communauté, beaucoup de tutoriels. Je dis ça alors que je suis pas du tout sur Blender. Hein. Je le dis juste objectivement. Moi, j'ai commencé sur 3D Studio il y a quand même beaucoup d'années. Du coup, je suis pas du tout Blender. Mais force est de constater qu'avec les années, c'est devenu autre chose qu'un logiciel rigolo. Maya, on peut l'avoir gratos. Oui, mais alors, tu peux avoir Maya gratos, hein, mais Maya, c'est un logiciel ultra pro et complexe. Donc, et avec une communauté de professionnels. C'est surtout ça le problème.
Ce qui compte souvent dans les logiciels, c'est la communauté, tu vois. Parce que est-ce que tu vas trouver de l'aide dès que t'as des questions et tout? Bah y a des trucs, hein, mais c'est déjà plus réservé à des professionnels que Blender, qui a une énorme communauté amateur, du coup, qui partage énormément de ressources et de knowledge, comment on dit knowledge dans votre langue, je suis américain, et de connaissances. On va y arriver par faire ces putains de rides. Hein. Au bout de 6 heures à peu près. Suivant l'utilisation, oui, bah alors, si tu comptes travailler sur un projet, un court-métrage d'animation 3D, Maya c'est bien. Enfin, Blender c'est bien aussi en tout cas. Mais on va dire si ton projet c'est de débuter en 3D. On ne serait ni Maya ni 3D Studio. Même si par exemple 3D Studio, j'y suis depuis longtemps. Oui, après, tu sais, c'est. Bonnet blanc et blanc bonnet, comme disent les jeunes de la Tessie. Au final, c'est un peu comme les logiciels de MAO, hein, c'est. Voilà. C'était bien sur Cubase, tu vois, sur Cubase, c'était bien sur Pro Tools, tu vois, sur Pro Tools. Ce qui compte au final, c'est la musique, bah là, c'est pareil, ce qui compte, c'est ton rendu final. Ils disent ça, les jeunes, ouais. En verlan, je crois, d'ailleurs. Ils disent... blanc à l'envers, hein. J'y arriverai pas. C'est ma blague habituelle de le dire en verlan, mais là, j'avoue, c'est compliqué. Blanc Nebo, ils disent blanc Nebo, je crois. Je les ai entendus. À ma fenêtre. Blanc sans le N. Ok. Ça va le faire. T'es déjà cassé les dents sur 3DS Max. Bah oui, ça... Moi, au cours des années, j'ai eu pas mal de gens qui m'ont dit apprends-moi tout ça. Et du coup, j'ai commencé à m'enseigner. J'ai fait des petits trucs de démarrage. Et puis, j'avoue que il y a pas mal de gens qui ont lâché l'affaire quand même au final. Parce que la 3D, c'est compliqué. Hein, c'est à un moment donné. Mais c'est un peu comme tous les trucs artistiques, c'est quand tu regardes les gens faire, tu dis putain, j'ai envie de savoir faire ça, mais en fait tu te rends pas compte que il faut quand même quelques années d'apprentissage, et pour avoir quelques années d'apprentissage, eh ben faut quand même vachement kiffer, parce que pendant longtemps tu fais de la merde, et pendant longtemps faut supporter de faire de la merde en fait, hein. Ça, c'est un peu le problème. Comment tu lags? Ah, tu lags, c'est-à-dire ça saccade ou t'es en retard? Ouais, comme toutes les disciplines artistiques, c'est ça. Parce que le talent, c'est de la connerie. Le talent, c'est un petit truc qui peut t'aider au début, ouais, tu y arrives un peu plus facilement que les autres. Mais en vrai, après, c'est surtout de l'entraînement. C'est de l'entraînement de ouf. Je crois qu'on va passer à la peinture. Comme ça sera... Ah oui, non, j'avais des petits grains de peau. Petits grains de peau, surtout qu'on va le voir éclairé. Comme il va être éclairé un petit peu... En biais, du coup, le grain de peau risque de ressortir pas mal. Alors, pas du tout, Gaël. Merci. Tu vas te calmer de suite. Oh.
La motivation aide pas mal. Oui, mais en fait, la motivation, justement, la motivation, c'est le fait de. C'est le fait d'avoir envie de faire des choses, mais d'accepter au début de faire de la merde, tu vois. C'est le fait d'au début avoir mal aux mains quand tu joues à la guitare et puis de pas lâcher l'affaire, hein, même si ça te fait mal aux mains. Alors, je vous rassure, ça se verra moins. Ça se verra moins au final, hein, parce que là, il est un peu. T'as l'impression qu'il a, il a un problème de peau. Salut Super Bleu. Tu vas croquer devant le live. Mais croque, mon ami, croque. Ah, j'ai oublié d'opti avant. Et... Oh, ça va. Pas trop perdu. Musique de déprimé. C'est pas parce que la musique est tranquille que c'est déprimant. Hein. Pourquoi c'est déprimant? Moi je trouve pas. C'est tranquille. T'es les chats. À mon avis, c'est parce que t'as pas trop l'habitude d'entendre de la trompette avec du. Le machin là pour donc ça te rappelle ça mais surtout qu'il va avoir un maquillage blanc hein, du coup ah oui c'est vrai les sourcils faut pas que j'oublie ces conneries là. Ça donne le petit grain aussi du maquillage, tu vois. Suicide. Oh, c'est un petit bug. Ouais, je vais lui faire en symétrie, puis on déconne. Il a les sourcils... Oh, quoique. J'allais dire, il a les sourcils à peu près symétriques, mais pas tant que ça. Bon, en même temps, on n'est pas au millimètre, comme je disais. Ça va être de là... Là, en passant par au-dessus... C'est plus la couleur qui va jouer qu'autre chose ici. Point.
c'est pas grillé, que c'est un robot. De toute façon, après, l'avantage, c'est qu'on peut gérer un peu ça. Ça donne avec la couleur. T'en as mis à gauche, mais y a pas un petit poil à gauche un peu mieux? Y a pas, hein, il est pas exactement pareil. Sculpture IRL, non. Négatif, moi là-bas je suis graphiste 3D. La sculpture, c'est venu via le logiciel parce que on a eu la possibilité de faire les modèles 3D de cette manière-là au bout d'un moment. Mais j'avais jamais essayé la sculpture réelle et puis je l'ai jamais fait parce que je pense que je le ferai d'une manière hyper crade. Je suis en général pas très soigneux au niveau IRL de quand je fais un truc avec mes mains. Mais c'est parce que j'ai des énormes mains de Shrek. Donc c'est compliqué. Faire des énormes sculptures. Ouais, c'est pas bête. Là, par contre, j'ai pas la place. Non, mais en plus, c'est un peu comme très très souvent, on me demande si j'imprime ce que je fais en 3D, tu vois, avec les imprimantes 3D. Mais en fait, moi, le réel m'intéresse pas tant que ça au niveau de mon art, en tout cas personnel, tu vois. Dans le sens où je m'en fous d'avoir un truc imprimé en 3D. Moi, je suis content de ma version. Ma version sur ordinateur, quoi. Comme je dis souvent, c'est comme si tu demandes à un mec qui fait des dessins sur Photoshop, est-ce qu'il les imprime systématiquement? Non, il s'en fout de les avoir en imprimé, en fait. Ah oui, non, après je comprends pour l'expérience. Mais c'est vrai que... Oui, si j'ai l'occasion, honnêtement, je testerai, mais ça se fait pas comme ça, quoi. Il faut avoir un petit endroit pour le faire. Faut acheter quand même pas mal de matos, tu vois, il faut un petit peu de la glaise, il faut des petits outils, des trucs, faut investir un petit peu, après je dis pas que ça coûte pas très cher, mais bon, faut faire la démarche. J'ai jamais fait, peut-être qu'un jour je le ferai, mais c'est pas un truc qui me travaille spécialement. Je pense que de toute façon, le maquillage va tellement passer par-dessus que ça va le faire. Nanana.
Salut Julien. Eh ben on est à la cool, c'est bien, c'est bien. Pas beaucoup de dons, les amis. Allez, on arrive au moins à 123 000 quand même. Ce serait pas mal. Est-ce qu'il y a le hype train sur Reconduit Stream? J'ai pas fait gaffe. Je l'ai pas vu en tout cas s'il y était. Ça me fait rigoler ce truc-là, le hype train. Je me demande s'il faut pas être partenaire. Il n'y a pas partenaire, je crois. Non. Je crois qu'on avait fait exprès de pas l'être. Je vais. Si je mets un coup de petit, ça passe, ça passe. Bon, c'est pas opti, mais. On va mettre un petit coup de Z Remesher. On va mettre. Non, save. Tac. Alors, ce que ça donne si ça bourre pas trop. Il manque un million, c'est pas trop mal. On va voir. On va voir. Twitch aimerait bien, oui. Ouais. Mais non, mais ouais, non, c'est mieux. De toute façon, il n'y a pas d'avantage. Ah si, il y a un ou deux avantages, remarque. Notamment au niveau de l'encodage. C'est vrai que c'est un peu plus. D'ailleurs. Ah oui, là, on a le multi-encodage. La RATP rembourse. Alors, attends. J'ai quand même pas mal perdu. La RATP rembourse les passes Navigo de décembre. Attends, ça proposait d'utiliser ça pour le fonds de grève. C'est vrai. Ça peut, ça peut. Écoutez, on va le faire. Parce que si je fais un UV là-dessus, il va être un peu bourrin quand même. Bon, allez. Pas le temps de faire de la retopo ou des conneries. Hein. On va tenter. Les mecs de ZBrush en PLS. Plateforme de remboursement n'a pas été rendue publique. Ah, ça, moi j'ai pas suivi, moi. Du moins. Ok, ok. Alors on va attendre un bon 4 minutes et demie, voire un bon logiciel bloqué, on va voir. On va le laisser tranquille. Papa. Cette tête qu'il a quand même. Vous racontez quoi de beau sinon? Pendant qu'on attend que le logiciel travaille. S'il revient à la vie à un moment donné.
côté Bourville, ouais, c'est le sourire. Oh, bah dites deux. Mon vélo. Ça, c'est... des imitations de jeunes aussi, ça. Qui est allé en manif? Le logiciel en grève générale. C'est parce que je lui demande un truc de bourrin, de ouf, que normalement tu demandes pas sur un truc pas optimisé, quoi, en fait. Salut, copain du web, espèce de vieux. Il en rate jamais une. Monsieur fait de la couture sur son stream. Il me dit à moi, espèce de vieux. La broderie, c'est pas pareil. C'est un truc de, voilà quoi. Un truc de grand-mère. Il offre des pins. Excusez-moi. Bon, ils sont bien, j'avoue. D'ailleurs, j'ai pas reçu de pins exclusifs, copain du web. Je suis un peu chafouin, hein, personnellement, mais bon. T'étais hier, loin. Oh, je crois que j'ai déconné de lui demander ça au logiciel. J'ai sauvegardé avant, je crois. Ouais. On va attendre 2-3 minutes encore. La broderie, c'est hype. Courage! Il est chafouinou. C'est ça? Ouais, non, j'ai exagéré. Je regrette. Je regrette tout. Je crois que je vais le kill. Et on va faire autrement. Parce que là... C'est quoi le contexte? C'est ça. Ah, le contexte de la photo de... Ah, je sais pas, il est sur un plateau télé, non? Ça ressemble. Je sais pas du tout. Apparemment, c'est une photo d'un article américain. Le logiciel a planté parce qu'il a reconnu Macron. Non, mais je lui ai demandé un truc trop beau. Hein. On kill. Et je vais faire... C'est pas grave, il faudra que je refasse vite fait quelques détails. Parce que j'ai pas été professionnel. Voilà. L'orvelin. Regardez, perspective, pas perspective. Tu le vois dans tes rêves, celui-là? ouais, bon, je vais être obligé de l'optimiser un petit peu brutalement pour que ça passe. Je referai vite fait quelques détails. Je vais refaire les sourcils. J'ai travaillé comme un porc. Toujours sauvegarder toutes les 15 minutes, il n'y a pas besoin. Avec ZBrush. Il quick save de lui-même toutes les. Je crois que j'ai mis toutes les 5 minutes. D'ailleurs, de base, il fait trop de quick save, t'es obligé de le calmer. Sinon, il te bourre ton disque dur. De plein de quick save de plusieurs gigas. De refaire vite fait huit, ça fait beaucoup, non? Ouais, quand même. Écoute, on va faire comme ça et puis après on verra. Ah oui, du coup non, je suis de la merde. On refait vite fait.
qu'avant de faire les détails, il faut un petit ton truc pour le diviser. Enfin bon, c'est compliqué. Je vous épargne les détails. Mais vu que je suis pas très bien réveillé parce qu'il est, il est tôt le matin. Hein. Elder Scrolls, les autosaves en PSP, ouais. C'est sur cette ligne-là. J'aurais pu le déplacer après, mais c'est plus dégueulasse. Des softs de MAO. Dans Skyrim. J'ai pas trop aimé Skyrim, j'avoue. Je fais partie des gens que ça a pas trop fait kiffer. Trop morne. Vous pouvez trouver ça drôle. De la part d'un gars dont le stream est tout gris et ambiance dark, mais c'est vrai qu'il y a dans Skyrim. J'ai trouvé ça lourd. Trop de gris. C'est le Kif Kong. Y a pas des sourcils si marqués que ça en vrai. Enfin, ils sont marqués, mais c'est pas non plus. Ça décrit tous les Elder Scrolls. Ouais, bah, c'est pour ça que j'aime pas l'ambiance Elder Scrolls en fait. Tout à fait. Mais du coup, j'ai joué Skyrim, perso. Par exemple, j'ai beaucoup plus apprécié The Witcher. Une ambiance plus colorée, plus fantasy, on va dire, que médiéval gris. Même si c'est bien de l'héroïque fantasy, hein, Skyrim, il n'y a pas de problème avec ça, mais c'est morne, quoi. J'ai du mal avec les trucs qui sont mornes. Ah oui, c'est vrai que The Witcher, en ce moment, c'est la grosse mode, en plus. Je vous chanterai pas la chanson, on en a tous marre, bien sûr. Je pense que si là tu te mets à faire un remix de Bim Bam Boom et de Toss a Coin to the Witcher, t'as pas mieux pour te faire insulter. Mode Rainbow. Sûrement, il y a tellement de modes. Il y a sûrement des modes plus colorés. Ouais.
T'es passé à côté de la chanson. Bah, pour te dire que je regarde pas la série et je l'ai entendu un milliard de fois. Bah, si tu traînes un peu sur Twitch, honnêtement, déjà, t'as 64 streamers qui l'ont mis en alerte de don. Je pense. Et quand ils le mettent pas en alerte de don, ils la chantent. Merci pour les 50 balles, un viewer random. Merci beaucoup. Merci, merci, c'est très généreux. Et est-ce qu'il a compté là, 960? Ah, il reste 40 balles, les amis. Il reste 40 balles, c'est tout à fait faisable. Bon, il est 17h en plus. Mais on peut. Ah, ce serait la honte de ne pas les passer avant 7h, quand même. Avant 6h. Bim bam boum, faut plus savoir traîner ouais, sur les réseaux sociaux où les gens s'amusaient à faire des parodies, des conneries. Mais après, ça a pas mal servi de harcèlement contre elle. Au final, je trouve ça un peu con. Personne ne mérite le harcèlement, même quand t'as l'air con. On est pas mal. Les cheveux, à la limite, je les referai au moment de la peinture. Ok. Donc là, l'avantage, c'est que j'ai une version low poly, voyez-vous. Enfin, low poly, on se comprend. Hein. Et du coup, je peux faire ce que je voulais faire tout à l'heure. Je sauvegarde avant, du coup, histoire de... Attends, tu vas voir. Tu vas voir à la fin, la tête. Tout rouge. Le diable. Le diable. Tu peux également lui faire une paire de couilles sur le front en 2 secondes. Voilà. Hop, c'est toujours des petits trucs drôles à faire. Où en étions-nous? On en était à faire des petits UV dégueulasses en 2 secondes. Tac. Donc on va faire la même chose que tout à l'heure, mais ce coup-ci, ça devrait marcher. Inch'Allah, comme disent les islamo-bobo-gauchistes. Non, j'ai pas fait de début de calvitie, mais ça se verra même pas, de toute façon, donc on s'en fout. L'important, c'est qu'il ait le front haut. Merci pour les 50 balles. FM, attention, l'oreille est un peu basse, le sourcil un peu haut, la bouche trop épaisse, voire trop fine en dehors de ce troll. Merci pour cette belle... j'ai pas lu la fin, cette belle quoi? Bah, de rien, ça me fait plaisir. Sans, tu te doutes que si ça avait pas été un troll, j'en aurais totalement pris connaissance et j'aurais fait les modifications désirées, bien sûr. Que je suis à l'écoute du chat artistiquement. Je suis à l'écoute. C'est comme on le sait, le chat à l'œil et à bon goût. Et 123, hein, bien sûr, 123K, bien wesh. Toujours les petits paliers qui font plaisir. Et là, normalement, quand on fait ça, ça va pas mettre 60 ans. Normalement. Voilà. Oui, alors il a commencé, déjà c'est bien, c'est la barre qui est en haut. Le chat a toujours raison, bien sûr. Il a plus raison quand il me dit des choses via les dons ou via les bits. Il n'y a pas de bits ici, bah non. Ah.
Ah, regardez-moi ça. Si on n'est pas sur des choses propres, un minimum en vrai. Regardez ça. Sa tête écrasée. C'est Macron sous un rouleau compresseur. À quoi est dû le slow mode? Pourquoi il y a un slow mode? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un slow mode avec si peu de gens? Nous allons peindre. Alors, pour le coup, le truc de Pennywise, est-ce que... Ouais, on voit quand même qu'il a un petit peu... Le slow mode, ça doit être pour hier. Oh. On voit qu'il y a quand même une petite peau... Ouais, pas tant que ça, en vrai. J'allais dire, on voit qu'il y a une petite peau rose en dessous, mais bon. Pas tant que ça, en vrai. Donc, à la limite. Mais après, c'est dur de... Ouais. À la limite, ce qu'on peut faire. Je vais quand même lui faire les couches, écoute. Je vais lui faire les couches. Ça vous paraît bizarre hein, quand je dis ça, mais... On va quand même lui faire les couches. Alors, pas du tout. Voilà. C'est le mode ultime ou démagogique? C'est des questions trop techniques, faudra demander à Usul. Pas l'air d'y avoir des gens méchants, ouais. Ça va. Ça va. J'ai jamais pris le temps d'écouter ce qu'il racontait le gars dans cette musique, mais... Indispensable, mi-viewer... Ouais, ça dépend en vrai, hein. Ça dépend des chats. Dépend vraiment des chats. Pourquoi tu le barbouilles de sang? Parce que c'est la première couche de peau, en vrai. C'est ce qu'on va en transparence, tu vois. C'est en gros, c'est... quand tu fais une texture de peau, tu commences toujours par faire des sous-couches. En vrai, vu qu'il va avoir un maquillage blanc quasi intégral, ça n'a pas trop d'intérêt en soi. Mais, mine de rien, ça va pas être si déconnant que ça. Ça pourrait lui laisser quelques petites zones. Je vais peut-être faire exprès de lui laisser quelques petites zones de peau pas trop maquillée pour... Pour faire le taf. Ce qu'il faut, c'est pas appuyer trop fort, tu vois. Ah oui, après le défilement, mais après ça dépend de... Des fois t'as des chats avec 1000 personnes qui... où les gens parlent pas tant que ça non plus, hein. Ça dépend vraiment des chats. Je pense que je referai un petit grain de peau quand même au final. Il a un peu disparu avec la
l'optimisation. Des oreilles, ce genre d'endroit, mais ça on s'occupera d'assombrir certaines parties après. Après c'est pas un petit vieux non plus, il a pas non plus des taches de vieillesse, tu vois, mais... Fais gaffe, mais il va avoir un maquillage blanc par-dessus encore en plus. Donc là, la peau, c'est vraiment pour le style presque plus qu'autre chose. Un maquillage vraiment total à la Pennywise, tu vois. Soit on lui fait un espèce de maquillage Pennywise, mais un peu dégueulasse, un peu la Joker Sledger, tu vois. Ce qui peut aussi. Derrière, on verra pas spécialement. Mais... Gorbatchev, là, on est en train de lui faire. Alors, bien sûr, c'est la version bourrin et rapide de ce qu'on est censé faire quand on fait une texture de peau, enfin, quand on fait une peinture de peau, hein. On n'est pas sur de la finesse. On va lui laisser des énormes taches. Mais le fait qu'il y ait des variations de peau, c'est très important quand même au final, même si avec le maquillage blanc au final. Voilà. L'imprimante 3D, tu mets sur le lit. Ouais, c'est vrai. J'ai fait la peau un peu foncée, un peu rouge, mais c'est pas grave, ça sortira d'autant plus si on met du blanc par-dessus et qu'on oublie des petites zones ou quoi. Le gant de peau est un peu resté, vite fait. Ça fera sûrement le taf.
maquillage. Ça va? Comme les yeux et les dents et tout ça n'ont pas encore de couleur affectée, ils prennent la couleur que je suis en train d'utiliser, oui. Ah, on pourrait faire beaucoup plus flippant que le faire en Pennywise, bien sûr. Pour la parodie. Nouvelle BD de Emma, non. Il y a pas de hic à la fin, c'est les coulrophobes, mais ouais, c'est clair. Il a éternué devant un sac de coke. Mais je veux pas lui faire un maquillage trop parfait comme Pennywise, justement. Pas trop, tu vois. Faut qu'on voit qu'il est maquillé, ça fait encore plus creepy. Parce que pour le coup, Pennywise, ouais, ils ont quand même fait, hein, genre sur le front et tout, c'est pas parfait. Ça, c'est pas mal. Je vais peut-être justement mettre moins de... Laisser des petites taches sur le front, un peu plus même. Moitié, non. Non, il faut que la parodie ait une logique, tu vois. Si je commence à lui faire une tête de double face, on va se dire, mais pourquoi il a la moitié de la face? Ça veut dire quelque chose? Qu'est-ce que ça veut dire? On comprend pas, tu vois. Là, si je fais une tête de Pennywise, on reste sur ça, tu vois. Faut pas trop multiplier les trucs à comprendre, en fait, ce genre de trucs, je trouve. Enfin, moi, je trouve, c'est après quand il y a trop de détails compliqués, on se pose des questions sur qu'est-ce que ça veut dire, tu vois. Donc, faut essayer de se tenir à peu près à la parodie, quoi.
Se maquiller l'intérieur des oreilles, ça doit être relou quand même. Je me suis déjà maquillé en clown, mais je crois pas que... Non, il n'y avait pas les oreilles. Ça doit pas être agréable. Ça chatouille, ouais. Rien qu'en y pensant, j'ai eu un petit... La coke à cola. Je suis sûr que chez Cola Grasset, on la fait jamais, celle-là. Avec un coton-tige. Je sais pas, d'ailleurs, je me suis jamais posé la question. Il doit y avoir des outils spéciaux de maquilleur, je pense. Des petits pinceaux exprès. Alors je sais qu'on peut se dire, ouais, prends un gros brush et fais tout d'un coup, enfin fais beaucoup plus large. Mais en vrai, le fait de faire par petites touches, ça fait oublier quelques spots, ça fait un truc un peu plus... c'est un peu plus organique comme peinture. Même si même là, je fais bourrin, en vrai. Hein. Je fais des grandes zones, mais ça permet d'avoir un truc un peu plus... vous voyez, qui a plein de défauts, en fait. On a l'impression que je recouvre beaucoup de blanc, mais en vrai, il y a beaucoup, beaucoup de défauts. Qui se verront encore moins, en plus, au final. Mais... qui se verront quand même, donc... pas inutile, j'ai déjà fait des clowns. Faut gaffe de pas trop faire l'intérieur des yeux, parce que bon, les gens se maquillent rarement l'intérieur des yeux. Même si là, il va y avoir un trait noir et puis du noir autour aussi. Essayer de... que ça commence à ressembler à quelque chose. Ça commence à ressembler à ce que ça va être à la fin. Et sur le haut du front, je laisse un peu plus de taches. Comme Pennywise. Papier bulle. On serait sur mon stream, t'aurais peut-être eu droit à un petit... Mais bon, là on est... Salut Woodking. Tatouer les pupilles. Comment ça, les pupilles? Les paupières, tu veux dire, non? Tu te trompes pas? Les pupilles, je savais pas que c'était possible. Même le blanc des yeux, ça m'aurait étonné, tu vois. C'est un espèce de petit... espèce de petit rouge cramoisi. Oui, les pupilles, c'est le noir, mais justement, c'est pour ça. Enfin, ou l'iris, même l'iris, tu vois, c'est bizarre. Ou la cornée. Enfin bon, on voit à peu près tous l'endroit d'où on parle, quoi, mais ça paraît ouf. Copain du web, encre, encornet.
rétine, c'est le fond de l'œil. Non, mais il a voulu dire... Mais qu'est-ce qui se passe? Ouais. Bref, le milieu de l'œil, ils se font tatouer, mais c'est-à-dire, on voit qu'il y a quelque chose. Il te change, ou c'est toi qui vois une différence. What is le fuc? T'as un lien? T'as quelque chose? Tu m'envoies un lien en MP que je regarde? Pourquoi je fais pas ça, moi? Je suis con. Info chat. Y a des gens qui doutent de ton info, Woodkin. Je sais pas si c'est vraiment des tatouages ou si c'est des lentilles. J'ai jamais entendu parler de cette connerie. En plus, bah ouais, faut le voir quand même. Hein. Puis à quel moment le truc te perce pas l'œil, enfin je sais pas. Ça me paraît étrange. Après, je suis pas opticien. Hein. Je suis pas œillologue personnellement, donc c'est compliqué de. Mais non, et pas directement là, tu te doutes bien que tu vas te faire rect, Woodking. C'est pour ça que je t'ai dit envoie-moi un MP. Ils sont de chez moi en plus. Hein. Ah, merci. Tatouage de l'œil. Une mode très dangereuse qui peut entraîner la perte de la vue. Ce qui paraît logique au premier abord. Ah oui! Attention, trigger warning, œil de merde. Donc le mec s'est fait le blanc en noir. Une injection d'encre sous la conjonctivite. Ah, c'est pas un vrai tatouage, c'est une injection d'encre dans l'œil, quoi, ouais. Bon, après, il va perdre la vue, tu sens... Que ça a pas l'air d'être le mec le plus normal du monde, déjà avec son petit habit orange, tu te doutes de là où il est, hein. Bon, voilà quoi. Ouais, c'est chaud. Il est au Tibet, voilà, exactement. C'est un lama. Il a pas franchement une gueule de porte-bonheur. Aiguise-moi ça. Dylan. Allez, les frascules de Predator avec mes potes, on les disait toutes. C'était notre truc. On va se faire une petite fête. Une petite fête. Toi et moi. Contact. La VF de Predator, c'est... S'il peut le saigner, on peut le tuer.
foutaise, c'est pas ce qu'elle a dit. Mais ce qu'elle a dit n'a aucun sens. C'est vrai que la VF est très cool. C'est vrai que je le regarde clairement que en VF Predator. Mix du Nexus 6. Coin, 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 coin. Predator 2 qu'ils ont remixé. Il est en safari, les lions, les tigres et j'en passe. Celui-là aussi je le connaissais bien, putain. Il y a plein de gens qui aimaient pas Predator 2, moi je sais pas, j'aimais beaucoup. Déjà j'adore Danny Glover, je trouve qu'il a une carrière vraiment pas à la hauteur de l'acteur, ce qui est très dommage. Macron a perdu ses dents. C'est un sans dents. Comme diraient des personnes de gauche. Pas de gauche. Car elle est 37. Faut que je m'active. Vous voyez que ça prend du temps, hein. Même quand on essaie d'aller un petit peu vite pour... C'est pas le genre de truc qu'on fait en 2 secondes, quoi. Ils arrivent. Ils viennent me chercher. Ah, ça arrive. Ah, merde. Faut que ça arrive là, en vrai.
Faut que ça arrive là. Je me suis trompé. C'est pas trop dégueulasse comme ça. Après, on n'est pas sur du millimètre. Mais bon. On n'est pas sur du millimètre. En vrai, comme ça, il est bien. Beaucoup plus proche de l'original comme ça qu'autrement. Ce qu'il faut, ça arrive à être fluide, quoi. Dessinateur. Allez. Getting over it, hein. Que je connais bien, hein. J'y joue assez souvent, étonnamment. À Getting over it. Je pense que je suis le streamer qui rage le moins du monde sur Getting over it. À mon avis. Genre les gens sont déçus, tu vois, quand je joue à Getting Over It. Même Getting Over It ne l'a pas fait rager. Alors j'ai ragé sur d'autres jeux. Hein. Clairement, je rage beaucoup plus. C'est quoi que j'avais ragé la dernière fois? J'ai plus ragé sur un jeu de plateforme avec un petit renard gentillet sur Switch, New Super Lucky Stale, que sur Getting Over It, clairement. Jumpman, j'ai pas ragé Jumpman, hein, honnêtement. Et d'ailleurs, j'ai envie d'y rejouer. Jumpman, en fait, je m'en fais. Je me dis que le chat s'emmerde parce que je reste tout le temps au même endroit, en fait. C'est un peu ça, Jumpman, le problème. Si un jour on m'avait dit que je ferais le eyeliner de Macron. Bon, j'aurais cru parce que j'ai fait plein de conneries dans ma vie. Salut Akubu. Quelle heure qu'il est? 44. J'ai besoin de faire des trucs. J'ai l'impression que... J'ai l'impression, vite fait, qu'il a l'air d'être un peu sale. Le genre... Non, même pas comme ça. Je sais pas comment. Comment je pourrais faire ça? Un peu comme ça. Je sais pas si ça se... Bon, ça se verra pas forcément beaucoup. C'est les égouts, c'est ça. Ils l'ont un peu cradifié exprès, quoi.
Les dents sont toujours en deux parties, ouais. Je vais les merge together. Ah oui, non, c'est parce que je les ai mis en solo. Je commence à psychoter tout seul. Par contre, il m'affiche pas les plus jaunes, d'accord. Écoute, il fait ce qu'il veut. Incisive. Toi-même, tu sais. Je sais pas pourquoi je l'ai dit comme ça. J'avais envie de le dire comme ça. Cette broche, il m'affiche plus les polygones quand je lui demande. Écoute, on est professionnel. On sait, on sait. La profession. Bon. Thank you.
Les gencives pourries. Ah bah ouais, mais on pouvait pas lui faire des gencives de bonne qualité. Hein. Là, clairement. Sur Macron. Et pendant quelques temps encore. Hein. Hélas. Hein. Ok. Les yeux, on s'en fout. Les yeux, on verra. On verra par la suite. Les poêles. 10 minutes. Ah là 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 là. Il n'y aura pas le temps de finir aujourd'hui. Mais... ouais, 8 minutes. Mais... je promets que... Est-ce que je le finirai? Attends. Oui, du poil, poil limite. Speedrun. Limite grisouille, hein, en vrai. On va pas pouvoir faire une texture, on va pas pouvoir faire une couleur vraiment hyper réaliste par rapport à ce qu'il a, parce que sinon ça va faire bizarre. Puis il y a tellement un mélange. Il va falloir mélanger plus de trucs. Eh oui, ça. Les chaussures, les mains. Ah non, il n'y a pas les chaussures, les mains. Il n'y a pas le corps, il n'y a pas les chaussures, les mains. Il n'y a que. La collerette, un petit peu du buste, et ce sera tout pour le personnage, mais tu vois. Mais en fait, c'est parce que je suis en train de demander, est-ce qu'après je vais le continuer hors stream pour le finir et après je vous montre le résultat, ou est-ce qu'encore une fois je remets sur un autre stream de 2 heures et on continue, je sais pas. Je sais pas quand est-ce que je restream là, pour le coup. Ouais, je sais bien. Ouais, mais parce que j'aime pas trop laisser les trucs en plan, c'est pour ça. J'aime pas. J'aime bien être dans l'élan artistique. Mais de toute façon, après moi, ce soir, j'ai les 2 ans de ma chaîne. Je vais streamer jusqu'à pas d'heure, donc je pourrais pas le faire ce soir, de toute façon. Demain, je pense que je vais être un peu fracasse. Donc, on verra ça. Joyeux anniversaire, merci. C'est gentil. C'est gentil. Ah, c'est là. Yeah. Et ouais, 2 ans déjà. Soirée que j'ai intitulée putain 2 ans. Pour être hyper original. Merci, merci. Merde. Ah mais à chaque fois on. Ah, ouais, d'accord. Coin, coin, coin. Merci. Et pour le coup, ouais. Fais ton anus durant la pause nocturne. Ouais, c'est à peu près ça, plus ou moins.
je commencerai un peu plus tôt quand même. Mais bon, ça c'est pas le problème. J'utilise 10 000 couleurs et je fais pas l'autre sourcil en même temps, ça c'est bien. Parce que ça veut dire qu'il faut que je... Il va falloir que je... Je réutilise les mêmes couleurs. Il a du petit poil gris hein, dans les sourcils. Il y a des gens qui disent des sourcils, non? Il me semble. Je vais te dire les sourcils. Il y en a dans la cambrousse. C'est pas vraiment une question de cambrousse ou... Je pense que c'est des régionales. Comme ceux qui disent oui. Pourquoi il y a des gens qui disent oui au lieu de oui? Je parle pas des Belges, hein. Je parle pas de huit. Des gens au lieu de dire oui, disent oui. Vin pour 20. Ah non, mais 20, ça c'est autre chose. Ça c'est l'Est de la France, c'est régional. C'est vraiment régional pour le coup. Et non, le Sud aussi, je crois d'ailleurs. En tout cas, c'est... Ça c'est différent. Twix. (rire) 57. Je vais faire tel, c'est qui après? Je croyais que c'était pour blaguer. Ah. Donc le 8, c'est, ça fait partie des accents, enfin de des trucs locaux aussi. Moi je pensais que c'était un plus un tic de langage, le 8. C'est nous. Bah écoutez, moi c'est... De toute façon j'aurais pas fini, donc vous intervenez quand vous êtes OP. Vie. C'est qui vient du latin. Ouais, je pense pas qu'il y ait beaucoup d'influence à ce niveau-là. Il y a des chances que je le continue hors stream. Alors pas aujourd'hui, mais peut-être ce week-end. On va voir, en vrai, si je dis ça, ça se trouve je vais flémer. Dans tous les cas, soit vous aurez le résultat sur les diverses, sur Twitter du recon du stream et compagnie, le Discord. Soit on continuera au prochain stream ici. Hello Gail. Yo. Ça va. Voix, c'est toujours génial. Bah, ça je me suis habitué moi étonnamment. Bah ouais, ouais, au bout d'un moment, tous les jours. Mais bon. Qu'est-ce que tu vas faire? Eh ben nous on va avec Ray du coup eh ben en fait je vais apprendre à créer un jeu vidéo avec Ray qui est un super créateur de jeux vidéo. C'est vrai que j'ai... On va partir de zéro et puis on va apprendre comment on fait ces trucs géniaux quoi. Eh ben c'est génial. C'est le cas de le dire. Ouais. Ok, ok, bah écoute, je vais vous laisser la place. Merci aux gens qui m'ont accompagné durant ces deux heures. Et du coup, avant, Gail, t'es à la souris ou à la tablette? Ah, il y a un indice sur l'écran. Et c'est quel logiciel? Alors, tac, je vais couper et laisser la place. Des bisous à tous, pour ce qui me concerne. Et puis, bon courage pour le jeu vidéo. 1, merci. Alors 3, 2, 1.